Salutations les amoureux du support physique. Alors tout d'abord, je vous souhaite une super belle année 2024. Je crois que effectivement, j'avais pas eu l'occasion de vous le souhaiter en direct via mon Instagram. Bah écoutez, très belle année 2024 à vous, hein. La santé surtout, avant tout. On le dit jamais assez, mais c'est vrai, c'est ce qui compte le plus. Et puis pour le reste, de belles découvertes, hein, belles découvertes musicales, belles rentrées de disques dans votre collection si vous êtes collectionneur, et puis des beaux concerts aussi, parce que la musique c'est aussi quelque chose qui se vit en live, et surtout en live. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de faire des festivals, des concerts, je vous en souhaite des mémorables qui illuminent votre année 2024. Je reviens rapidement sur la convention que j'ai faite ce dimanche à Mère-Aubert. C'est un petit bled dans le fin fond du 91, pas très loin d'Étampes. J'avais déjà fait une convention à Étampes, là c'était un peu plus loin encore. Je vous cache pas que j'ai dû mettre un petit coup de pied au derrière pour y aller. J'y suis allé à reculons, déjà à cause de la période, hein. C'est vrai que l'hiver on a tendance à être un peu plus casanier, et puis la perspective de faire une heure de voiture pour aller dans une petite foire aux disques où je trouverais pas forcément quelque chose, ça a pas aidé à me motiver, mais j'ai quand même réussi à inverser la vapeur et puis à me décider à y aller, et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des très très belles pièces et surtout à des prix incroyables. Alors on commence par certainement la plus belle pièce que j'ai attrapée, hein, sur cette foire au disque, la bande originale en pressage original français de Willow, un Graal, hein, pour dire ce qui est, parce que c'est un disque qui cote plus d'une centaine d'euros sur internet. Moi c'est pas la première fois que je le dis, hein, 100 euros dans un disque c'est pas ma philosophie. Je sais plus qui disait récemment, faut pas oublier qu'un vinyle ça reste du carton et du plastique, et en soi c'est vrai, au delà de la passion qu'on peut y mettre dedans. Donc voilà, faut savoir garder les pieds sur terre et puis relativiser. Donc je m'étais fait à l'idée que cette BO de Willow, je l'aurais jamais dans un état en très bon état et ce pressage là. Mais en fait, il faut y croire, parce que je l'ai trouvé à 10 euros, donc 10 fois moins que sa cote. Hein. Donc ce pressage, il est juste magnifique, hein. C'est la pochette originale qui a été reprise, hein, pour le pressage français, l'affiche du film. Il existe un pressage américain, mais qui est beaucoup moins joli, dans les tons blanc crème, avec une image resserrée au centre. Cette BO sur ce support est juste trop trop belle. James Horner, on le présente plus, hein, c'est le compositeur de Braveheart, de Aliens, puis j'en passe. Celle-ci, elle compte parmi peut-être ses plus belles BO, dans un style à la fois épique et mélodique. Qui colle très bien au thème heroic fantasy du film. Je suis très très content d'avoir trouvé cette BO parce que j'y croyais plus. Et puis, comme quoi, il faut y croire. Alors, on enchaîne sur une série de disques. Là, j'ai eu un prix, mais incroyable. Je pense que c'était juste là un collectionneur qui revendait ses disques, mais non pas pour faire de l'argent, mais pour faire plaisir. Parce que on sentait le passionné, il m'a parlé un peu des disques en question, des styles. Bon, il y en a que je connaissais de style justement, et parce que j'ai déjà d'autres albums, puis d'autres que je connaissais pas du tout, donc c'est toujours sympa d'échanger. Faut savoir que tous les disques que je vais vous présenter là, je les ai payés 5 euros pièce. C'est des disques qui cotent plutôt, parce qu'on est sur de l'édition originale, hein, quand même, et en très bon état, que ce soit pochette comme disque. Donc c'est des disques qui cotent plutôt aux alentours de 15-20 euros, voire même 25-30 euros, quoi. Donc 5 euros c'était juste une aubaine. On commence par le quatrième album de Running Wild. Running Wild, c'est un groupe allemand de power metal, peut-être même les plus dignes représentants de ce genre de musique, avec Blind Guardian. On est sur du hard rock très très speed, très mélodique, avec des super riffs de guitare. Running Wild, c'est un groupe qui a fait ses albums autour de la thématique de la piraterie, donc on le retrouve ici, hein, sur la pochette, mais sur tous les autres albums également. Celui-là, je ne le connaissais pas, mais déjà le peu que j'ai pu entendre, je sais déjà que je vais adorer. Il y a notamment ce morceau là, le dernier morceau de la première face, Final Gates, qui est juste incroyable, avec un déroulé de
de basse guitare, un échange basse guitare incroyable, hyper mélodique, hyper catchy, tout ce que j'aime. On est sur le label Noise International. Je sais pas si ça fera le focus. Ouais, voilà, c'était le label d'Helloween. Donc Helloween, peut-être le plus grand groupe de heavy metal allemand. Et ben, ce groupe n'a rien à envier à Helloween puisque on est dans la même veine et avec le même talent, quoi. Donc bien content de l'avoir attrapé pour 5€ seulement. 5€ également pour cet album de Laz Rock It. Alors là, je connaissais pas, hein, l'album Annihilation Principle, décrit par le vendeur comme du trash metal. Et effectivement, le peu que j'ai pu en écouter, ça sonne vraiment, oui, effectivement, comme le trash de l'époque, le trash de la fin des années 80. Moi, je connais pas bien ce mouvement du hard rock. Alors, bien sûr, je connais les premiers Megadeth, les premiers Annihilator également. Là, on est dans du trash pur, hein, beaucoup plus hostile. Je vais découvrir, c'est bien, enfin, c'est l'occasion, hein, pour des prix comme ça, hein, ça permet effectivement de découvrir aussi des groupes, des albums, et puis de découvrir plus en profondeur des genres qu'on ne connaît pas forcément. On est sur le label Roadrunner, qui aujourd'hui est plus spécialisé dans le punk rock mélodique, mais qui à l'époque effectivement était le label pour les groupes de trash, hein, les groupes un peu plus furieux. Et bah, la pochette est très sympa, quoi. Avec cette espèce de, je sais pas c'est quoi, c'est un monstre, entre le monstre et la montre religieuse, et puis bon, ces émanations toxiques là. Ouais, bon, pochette à l'avenant, hein, pour un groupe de ce genre. On enchaîne avec alors là, pour le coup, une pochette complètement what the fuck. Qu'est-ce que c'est, ça, encore de nana peint en bleu avec un cadenas et puis l'ombre de métalleux sur des rochers derrière. C'est vraiment what the fuck. Donc l'album No Mercy du groupe Bullet, là on est plus dans du hard rock traditionnel. L'album date de 1984. Alors c'est un peu la rencontre entre Scorpion et Accept. Faut savoir que dans ce groupe-là, il y a des membres qui seront des futurs transfuges de Udo. Et on est carrément là-dedans, quoi. Donc la production un peu datée, hein, ouais, elle manque un peu de pêche. Mais sinon, les plans guitare, le peu que j'ai pu écouter, les plans guitare sont assez fous. On a des très bons icos, hein, sur cet album-là. Bon, bah pareil, hein, je vais vraiment le découvrir plus en profondeur. En tout cas, bon, bah voilà, bah, c'est parti du lot, hein, 5€, ça ne se refuse pas. Ensuite, là on passe sur le deuxième album de Badlands. Alors Badlands, j'avais le premier album, je connais pas celui-ci. Badlands, on est plus dans du ouais, on est entre le hard rock et le rock sudiste, entre Great White et Lynyrd Skynyrd, même Black Rose par moment. Très bon Zikos, très très bon Zikos. L'album date de 91. Je l'ai quasiment jamais vu, cet album, hein. Quasiment jamais vu. Les rares fois où je l'ai vu, il était très cher, donc j'ai même pas cherché à le dealer. Bon, bah là, 5€, c'est juste fou. Merci à lui, hein. Merci à lui, merci à ce vendeur, un passionné qui, voilà, qui fait partager sa passion, et puis qui, voilà, qui lâche ses disques à bon prix. Ils entrent voilà, dans ma collection et j'en prendrai soin. l'album 3 de Quiet Riot, alors il s'appelle 3 mais c'est pas le troisième album, hein. Je crois que c'est le cinquième album de Quiet Riot, mais c'est le troisième parce qu'il fait partie d'une trilogie. Et cet album là a un peu moins marché que les deux précédents. Pourtant, il est, alors, j'allais dire, tout aussi bon, peut-être un cran en dessous, parce que c'est vrai qu'il cède un peu aux sirènes du hard FM, mais on est quand même dans du très qualitatif. Les plans guitare sont assez bien foutus. Bon, il y a beaucoup d'hymnes, de chants qui font penser à Def Leppard, hein, parce que ben, on est quoi, on est en 86, je crois, là. Et ouais, on est dans la tendance de l'époque du hard
à essayer de taquiner un peu le succès. Donc forcément c'est très catchy au niveau des chants, c'est beaucoup plus accessible, moins hard rock, mais ça reste quand même, ce que je disais, ça reste quand même très très quali. Voilà, bon, alors, les tenues, bah, la Def Leppard, hein, du Léopard, j'aime beaucoup, et puis ben pareil, hein, là il est marqué 7, mais bon, comme j'en ai pris beaucoup, il me l'a fait à 5 comme les autres. Franchement, super, super acquisition à super prix. Bah tiens, c'est marrant parce qu'il y a un rapport. Alors, Gruffia, c'est le groupe qui tire son nom de Greg Gruffia, qui était le synthé, le keyboarder du groupe Angel, que j'ai jamais vraiment aimé, hein. Angel, c'est un groupe qui avait un peu le cul entre deux chaises, entre le rock, le rock progressif et le rock. Le rock mélodique, mais pas très inspiré, je trouve. Enfin, moi, c'est mon point de vue, hein. J'ai jamais vraiment aimé ce groupe-là. Par contre, bah, ce nouveau groupe, donc, de l'ancien keyboarder d'Angel, est vraiment très 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 bon. Et là, pour le coup, c'est vraiment dans un style que moi j'affectionne. Donc on est plus effectivement dans le hard FM, mais de qualité, avec des super plans guitare. Et donc là, ouais, là c'est carrément ma came, quoi. Et donc, faut savoir que le bassiste sur cet album, c'était le bassiste justement de Quiet Riot. Donc comme quoi, il y a un lien sans faire exprès, puisque ça c'est un album que j'ai pris sur un autre stand, un autre vendeur, qui m'a fait aussi un prix dessus. Il était d'origine, il était à 13, hein, mais donc il me l'a tombé à 10, je crois. Voilà, donc très très bon prix également, hein, pour cet album-là. Et hâte de le découvrir. J'avais le second album, ça c'est leur premier, donc je vais le découvrir. Mais déjà le second était très bon, donc j'imagine que celui-ci va me plaire également. Alors, on enchaîne avec un vendeur qui m'a vendu deux disques en me faisant un prix à moins 30% sur les deux. Je crois qu'il a dû un peu se planter sur la ristourne qu'il me faisait, ou alors peut-être qu'il a choisi de l'élargir. Enfin, toujours est-il que les deux disques que je vais vous présenter, je les ai eus pour 30 euros les deux. Donc ça a fait une très belle réduc, hein, parce que il y en a un qui était à 40 de base. Voilà. Celui-ci, c'est un 10 pouces de Vixen, le groupe de métal féminin. J'aime beaucoup Vixen, hein. J'aime bien le hard rock féminin de base, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Vixen. Ça, c'est un 10 pouces qui est plutôt sympa. Je sais pas si je vais. Ouais, je vais essayer de vous montrer. Alors, juste faut que je comprenne déjà comment il s'ouvre. Voilà, regardez, on a des très belles photos. C'est plutôt original en fait. Une super belle photo pour le groupe Vixen. Voilà, en plus c'est plutôt quali, hein. C'est un papier un peu brillant. Voilà, et le 10 pouces se retrouve au milieu. Voilà, on les retrouve ici. Donc, très bon groupe de hard rock féminin. Voilà, bah, comme j'expliquais, un peu comme les Girls' Schools, à l'époque, heureusement, on avait des groupes de filles qui allaient dans ce genre-là et qui avait vraiment des super compos à proposer. Là, on a une version acoustique d'un des morceaux, hein. Je ne sais plus exactement lequel, mais je crois que c'est le morceau titre qui est en version acoustique également. On ne voit pas beaucoup de 10 pouces, donc bah, j'ai sauté sur l'occasion. Il était de base, comme je disais, à 15 balles, mais négocié dans l'achat des deux avec une remise. Des deux, donc avec la PO de Candyman. Alors, je sais pas si on dit plutôt reboot, le reboot que remake, hein, parce que ça quand même ça marche dans les traces du premier, en reprenant la trame et en la poursuivant. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, ce remake de Candyman. Je sais que les critiques ont été assez dures avec le film. Écoutez, moi je l'ai trouvé super bien. Je l'ai trouvé super bien et j'ai trouvé qu'en plus il était très respectueux du Candyman original. Parce qu'effectivement, on repart en fait sur la légende urbaine de Cabrini Green, Cabrini Green qui a été détruite, hein. Mais donc la légende reste et elle renaît, on va dire, des cendres du lieu.
Et la BO, bah alors c'était dur hein, d'aller coller à la BO de Philip Glass, qui est quand même un chef-d'œuvre de musique de film, très envoûtant, très très triste, très ouais, très mélancolique. Et bah, cette BO s'en inspire un peu. D'ailleurs, il va chercher le thème original qu'il retravaille à sa façon, mais aussi il apporte une vraie plus-value parce que il y a des textures musicales qui vont dans le sens du Candyman original, mais qui le déploie de manière différente. Enfin, vraiment tout ce qu'on attend en fait d'un reboot. Le compositeur en question, alors moi je le connaissais pas. Hein. A priori, ils sont deux, même il y a Robert Hakey et Audrey Lowe. Voilà, c'est une BO que moi j'ai tout de suite aimée quand j'ai vu le film. Mais bon, le problème c'est que voilà, c'est sorti sur le label Waxwork. Il faut profiter de promo parce que le problème de Waxwork c'est que c'est un label américain. Donc il faut faire venir le disque des États-Unis, il faut se taper la douane plus le port. Donc bah, même quand le disque est à 35, ou je crois qu'il est à 35$. Ah, tout de suite, ça multiplie la note par deux, hein, donc faut essayer de le trouver par un autre canal. Là, en l'occurrence, 40 balles, c'était déjà un bon prix, mais avec la promo que m'a fait le vendeur, ça m'a fait les deux disques, celui-ci et le précédent, à 30 balles. Donc autant dire, rien du tout, quoi. Donc je suis très content, il est neuf, hein, cellophané, je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais m'empresser de l'écouter, parce que c'est vraiment une BO que j'ai adorée. Alors, Molly Hatchett, je commence à en avoir quelques-uns des albums de Molly Hatchett. À la base, c'est pas mon genre musical. C'est, voilà, comme je disais, c'est plutôt le rock sudiste. Bon, alors, j'aime bien Lynyrd Skynyrd, je crois que c'est vraiment un des rares groupes de rock, voilà, de rock sudiste que j'aime particulièrement. Mais sinon, la plupart du temps, c'est moins mon truc. Mais Molly Hatchett a quand même un. Voilà, pareil, comme Lynyrd Skynyrd a un truc dans ses compos qui fait que, bon, voilà, déjà là en plus on a une pochette incroyable hein, par Frazetta, c'est ça, ouais, c'était celui qui avait designé la pochette des. Pas enfin, les BD des Conan, Conan le Barbare. Donc voilà, déjà l'artwork qui tape. Mais en plus, musicalement, bah, c'est plutôt très bon, quoi. Des gros gros plans guitare incroyables, comme Lynyrd Skynyrd, qui sont tout de suite catchy, quoi. Donc, ce qui fait que, bah, même si c'est pas mon genre de prédilection, bah, j'aime quand même la guitare. Donc je finis par retomber dedans, quoi. Je tombe dans le piège et j'aime beaucoup. Donc voilà, bah, ça, cet album-là, je croyais le ou non, mais je l'ai attrapé pour 3 euros, quoi. 3 € était dans un bac bargain et ah non, ça ne vaut pas 3 euros. Enfin, en tout cas, qualitativement, ça en vaut 10 fois plus. Bon, mais voilà, ça fait partie des belles trouvailles que j'ai pu faire sur cette foire au disque. Et puis, dernier 33 tours que j'ai attrapé, une compilation d'Ennio Morricone, mais retravaillée par le Hollywood Soundmakers Orchestra. Donc j'aime bien, moi, je les ai tous, hein, quasiment les Morricone de cette époque-là, en tout cas tous les westerns. Je suis un grand grand fan d'Ennio Morricone, grand collectionneur de BO de Morricone. Et maintenant, ce que je recherche, c'est plutôt effectivement des orchestrations différentes. Donc il y avait notamment un disque qui était sorti de Hugo Montenegro qui retravaillait les thèmes du maestro. Là, on va être dans des orchestrations différentes. Donc c'est typiquement ce que je recherche et je les recherche à petit prix parce que j'ai pas non plus envie de mettre des sommes folles dans des BO réorchestrés. Ben là, c'était l'occasion. Pareil, je l'ai attrapé pour 5 euros. 5 euros le disque, très bel état. Donc j'ai hâte de voir comment sonnent ces nouvelles orchestrations. Et surtout qu'on a les thèmes principaux des westerns de Sergio Leone, à savoir pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et le Truand. Donc des classiques. Voilà, ben, c'était tout pour cette convention. Oups! Cette convention dans l'Essonne. Donc, ah si, j'ai attrapé deux petits 45 tours aussi que je voulais vous montrer. Donc, alors celui-là, je l'ai déjà, l'album, hein, mais j'adorais cette petite pochette.
Pour 2 euros, j'ai pris voilà ce 45 tours de Mr. Big et leur plus grand titre, le titre qui les a fait connaître aux yeux du monde entier, To Be With You. Super petite balade, hein. Un peu comme le More Than Words de Extreme. Voilà, donc petit 45 tours bien sympathique avec une petite phase B. Très content. Et puis aussi, voilà ce petit 45 tours. Je voulais vous le montrer, celui-ci, parce qu'il est très sympathique. Un petit 45 tours de Croc Robin. Alors, c'est pas le meilleur morceau de Croc Robin, mais par contre, j'aime beaucoup Croc Robin. J'aime beaucoup les années 80 en général. Croc Robin, le chanteur, il a un peu la voix, hein, je trouve, de Chris Isaak par moment. Bon, ce qui est sympa avec ce 45 tours de Just Around the Corner, c'est que c'est une édition limitée, un poster back, comme ils en faisaient pas mal à l'époque sur les 45 tours. Donc, quand on le déplie, ben, on a un petit poster en fait. On a un petit poster. Je vais essayer de vous le montrer. Alors voilà, bon, ben, là on enlève le petit 45 tours et on se retrouve avec effectivement un poster en deux parties. Voilà. Hop, super idée. Voilà, et donc là, la pochette resserrée. Hop. Donc voilà, le principe est sympa. Puis bah, je l'ai payé 1 euro, donc voilà. Bien content. Voilà, c'était tout. Et bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.